Autre point de l'actualité, vous le verrez, il inspire respect, la force tranquille, une fierté nationale. Le Burkinabé Iron Bibi, champion du monde en loglift, de retour au pays, est accueilli en lieste hier dans son bobo natal. Le point d'image avec Moussa Tamboura et Rachid Sawadogo. C'est le retour de l'enfant prodige à la maison et ils sont là. Ses nombreux fans pour lui rendre un vibrant hommage. C'est un champion du monde. Il mérite vraiment qu'on l'accueille. Voilà un monsieur qui est né au Burkina Faso, qui est allé au Canada, qui a refusé la nationalité canadienne, qui a refusé la nationalité américaine, qui dit non, lui veut être burkinabé. Et qui est en train de prendre le drapeau national, faire connaître le Burkina Faso à l'extérieur. C'est un message fort. C'est un ambassadeur du Burkina Faso. Iron Bibi regagne Bobo Dioulasso, sa ville natale, après son nouveau record en log lift décroché le 6 avril dernier. En Angleterre, les mérites d'un travail reconnu ici par toute une population. De l'aéroport international de Bobo Dioulasso à son domicile, en passant par la maison de la culture, lieu réservé à un accueil particulier. Chefs coutumiers et autorités régionales ont marqué leur présence par des félicitations et encouragements. Et ça montre que mes frères et sœurs sont ici là pour moi. Je me sens honoré et quand on se sent honoré comme ça, ça veut dire qu'on doit travailler encore plus dur et plus honorer aussi les couleurs du Burkina Faso. L'année passée, comme vous le savez, j'étais champion du monde ex aequo. Donc cette année, l'objectif c'était d'avoir le titre de champion du monde. Donc grâce à Dieu, ça s'est passé, mais ce n'était pas facile, ce n'était pas facile du tout. Et tous les athlètes étaient prêts, nous les Burkinabés, on était encore plus prêts que les autres. Donc voilà, on a décroché la première place en soulevant 220 kg. Et donc actuellement aussi, c'est la meilleure performance de l'année 2019. Cette performance d'Iron Bibi fait de lui une fierté nationale et même africaine.